Il s'établit à l'appui au-dessus de la barre. Et il y a tellement de rythme dans cette compétition qu'on a à peine le temps d'apprécier les grandes figures au ralenti pour revenir en direct avec Sofia Pidoula qui représente la Grèce et qui, contrairement aux apparences, n'a pas du tout la morphologie des jeunes filles grecques. Elle serait plutôt nordique, apparemment, mais elle est vraiment d'Athènes. Et elle a du rythme. Les grandes filles, hein, très élancées. Éléonore Kouf, 9,675, prend la tête du concours et sera vraisemblablement, enfin, faut attendre la fin de la finale, mais je pense qu'elle est en bonne posture pour être championne médaille d'or. Ah, c'est... Oh, une série en avant manquée. Elle a pris des risques. Sur cette vrille avant, une chute. Nouvelle série avant pour conclure. Un petit peu plus faible, elle n'inquiétera pas du tout Éléonore Kouf. Mignonne, et en tout cas, c'est aussi l'occasion de voir de nouveaux talents. Je vous l'ai dit dès le début, pour Éléonore Kouf, nous en sommes certains. Pour la Grèce, bien, on attendra un peu plus tard pour juger donc mademoiselle Sofia Pidoula, mais tout de suite au bar parallèle avec le grand gymnaste français par la taille.